shall gather, more shall enter the fray. Rouillator! Comment est-ce que tu gobies? Rukamut! Mais barrez-vous, bande de cons! On va tous crever! Enjoy your stay. Ah, bonsoir, je suis Lord Poulpi! On se retrouve sur Darkest Dungeon, Color of Madness. C'est la 270e semaine. Et nous apprêtons à vivre notre deuxième excursion en direction de la ferme, semble-t-il. Ah, y a des créatures cristallines possédées par cette lumière un petit peu bleuâtre. Hein. Ouais, c'est du bleu. C'est du bleu bizarre, on ne sait pas ce qui se passe, hein, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans Darkest Dungeon quand on ne comprend pas? On envoie des héros innocents se faire déglinguer. Alors, c'est ce qu'on va faire immédiatement, alors que la nuit tombe. Oh, alors, je voulais m'excuser pour la souris. Le curseur était complètement décalé sur la précédente vidéo. C'est la faute d'OBS. OBS qui a fait un petit peu de la merde sur ce coup-là. Apparemment, je ne suis pas le seul à qui ça arrive sur ce jeu, mais c'était assez perturbant au montage. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, putain, mais on voit pas ce que je regarde. Hein, parce que quand on parle, on suit la souris comme ça, on fait « Ah, il parle de quoi ?» Et là, la souris était complètement à la ramasse. Ouais, donc vous n'avez pas pu suivre, et donc vous avez peut-être dit « Putain, il fait n'importe quoi, c'est possible. » Alors que, bien entendu, c'est complètement faux, je sais toujours ce que je fais sur ce jeu. Bah, j'ai quand même 269 missions dans les tentacules. Ouais, donc on peut dire que je suis un professionnel. Bon, allez, on y va. Et voilà, mon équipe F1 prête, c'est une quête vétéran. A priori, il y a un boss, hein. Ah, il y a le meunier. Ouais, le meunier. Au niveau de l'équipe, je n'ai pas le choix. Je n'ai que 4 vétérans, donc c'est réglé. Peut-être avoir un problème pour la suite, parce que la liste est pleine. Donc comment on fait? Si tout le monde... Ah, si ces deux-là passent niveau 5, j'ai plus que 2 vétérans. Et comment je fais pour la suite, hein? Je ne sais pas. Et j'ai vu qu'il y a cette chose-là. Faites-vous un chemin vers le boss? Non, pas du tout. Ah, le mec, il dit n'importe quoi. La chose des étoiles rôde ici cette semaine. Et vous risquez de la croiser. La chose des étoiles. On la connaît pas, celle-là, hein. Donc ils ont dû rajouter un monstre qui se promène aléatoirement. C'est plutôt intéressant. De toute façon, je ferai sûrement des quêtes hors vidéo. Il y a des chances, hein. Et dans ces quêtes, je vous ferai voir un petit peu la progression de la pose de bouclier, vu qu'elle a une mission, enfin des missions, chaque fois, a priori, chaque fois qu'elle dort, elle fait des cauchemars avec des serpents, là. Je suppose que ça va être tout le temps comme ça. Donc il va peut-être se passer des choses avec elle. Et puis voilà, s'il se passe des choses, bah, je vous ferai un petit résumé avant. Puis on sera bien. Allez, on y va. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu ce qui se passait, on connaît un petit peu l'importance des objets. Et sinon, il y a du vent, hein. Ah, ça souffle, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ça souffle beaucoup sur Poulpiton. Qu'est-ce que je disais? Bon, je sais plus, mais en tout cas, voilà, les objets c'est important, hein, je crois que c'est clair. Et là, a priori, eh bien, vu que c'est vétéran, il va se passer des choses. On a le droit à la bouffe. On va en prendre 12, hein. On va te prendre 2 pelles. On a le droit aux pelles aussi, donc il va y avoir. On va se promener un petit peu, c'est bien ça. Et vu qu'il n'y a pas de campement, on va assurer un petit peu. Alors, qui va soigner, me demanderez-vous? Eh ben ouais, c'est pareil, je suis limité. Ça va être Rouillator, hein. Rouillator, je lui ai pris soin de bataille et puis cri de ralliement pour tout le monde. Avec ses trinkets, là, il a un bon bonus. Soin administré plus 20%. Donc ça devrait le faire. Et puis si ça le fait pas, eh ben écoutez, on chialera. Enfin, je chialerai parce que vous délecterez, hein, de ma souffrance. Ouais, ça m'étonnerait même pas. Alors, poussière d'éclat, utilisée pour obtenir un pouvoir dans notre monde, mais méfiez-vous de ses effets additionnels. Inutilisable par les héros vertueux. Ça a l'air marrant. Je vais en prendre une. Le cristaux, j'en avais que 12 quand même. L'Odranum, ça coûte que 100. Ouais, prends-en 4 aussi, on est tellement blindés. Alors, j'ai vu lors de ma dernière vidéo que mon argent, j'ai gagné 30 000. Entre le début de la mission et une fois que la mission est terminée. 30 000 comme ça, enfin à peu près, hein. Alors que la mission ne m'a rapporté que 3000. Donc je pencherai pour un bug, a priori. Vu qu'il y a pas mal de petits bugs de ci de là, hein, comme à chaque sortie d'extension, c'est comme ça, hein, avec Red Hook, ouais, y a du bug, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Ça s'arrangera avec le temps, mais moi si ça me file de la thune gratos, moi je prends. Allez!
slabs etched with certain celestial designs were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, was cast skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars, wondering what harvest might come. Il y a donc un scénario intéressant. Allez, on rouvre. On y va, donc on va un peu se promener, hein, c'est ça? Il y a plusieurs vagues peut-être. Ah oui, d'accord. Il y a des petits traits, c'est quoi ça? Héros de l'endormi. Protection 45%, ah, c'est chiant. Semaille de graines, j'aimerais savoir ce que ça fait. Hein. Comment est-ce que je peux feinter le truc? Je peux pas feinter le truc. Comment je vais dessus, moi? Hein? On peut pas? Ouais, bon, on s'en fout. Il y a un truc pour voir les monstres, je crois, de mémoire. Non, bon. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, saignement, 40%, 120%, ok. On va les faire saigner gentiment. Ah, ça riposte. Ah bah oui, en effet, je n'avais pas vu. Ah, c'est chiant, ça. Infection, 120% aussi. Ah mais il a pris le saignement. Est-ce que je plonge? Non, pas tout de suite. Mets un petit coup de pioche pour voir. Ok, lui, il est mort. Lui, il est mort. L'autre, je vais l'étourdir derrière. Étourdissement à 120% partout. Du dégueulis. Non, pas tout de suite. Vas-y, étourdis-le. C'est bien des gobies. Quel bon tour. Ah, on saura pas ce que ça fait, désolé. T'as pris combien de points de vie? T'as perdu 5 quand même, hein. Non, 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 c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. L'accusation! Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une bonne accusation comme ça. Ça fait plaisir, hein. Ça fait fort plaisir. Bon, tu veux jouer en dernier, toi? Croque-moi ça. Parfait, on se soigne. Hein, toi, t'es étourdi. Non, tu ne joueras pas. J'ai pas envie. Meurs. Bon, bah très bien! Allez, amenez la suite, là. Tout le monde est en pleine forme. Ouais, carrément, tiens. Allez, on est comme neuf. Donne quoi le bonus de la pillarde? Plus 10 en esquive. Pas mal. Pas mal du tout. Ya! Yeah. Oh! La boucherie chevaline. Rookmoot. Rookmoot, elle rigole pas, hein. Ah, elle rigole pas. Bon, des gobies, on a même pas besoin de le transformer. C'est quand même une bonne nouvelle. Oh, on va leur rouler dessus, là. Ouais, tranquillement. Ah, dommage. À moins que... Ah non, il joue en premier. Mince, esquive. Oh. Ah, mais ils sont mauvais. Elle est mourée. Allez là, la suite. C'est trop facile. Protection plus 15%. Ah non, c'est pendant un tour seulement. Ah, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien. On est tout neuf, on n'a pas de stress. Rien à foutre. C'est tellement facile. Recul, furtivité, dégâts plus 95%. Ah, critique plus 16%. Ouais, tiens, fais ça. Tu m'étonnes. Ah, elle devient furtive, la coquine. On peut protéger quelqu'un. Ouais, vas-y. Protège des gobies. Ouais, bon, on s'occupe, hein. Tiens, protège le maître chien. Ah non. Ah d'accord, tu te marques. Eh ben marque-toi, écoute. Voilà, des ennemis. C'est bien ça. C'est très très bien ça. On le one-shot, hein, bien sûr. Voilà. Prévisible. Dégobillage. La bonne gerbe qui fait fondre. On aime ça. Voilà. Oh, ça va aller. Ah! Ah, l'horreur!
Bah, j'ai pris trop d'objets là, c'est bidon, regarde-moi ça. C'est trop facile. Hein. Oh là 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 là. Oh, on leur urine sur les cristaux, c'est très très moche. C'est moche ce qui leur arrive. Hein. C'est pas leur faute, ils sont possédés quoi. Fait de la peine, moi. Et hop, on se rebuff. Ouais, bah c'est intéressant. Voilà. Il est mort ou pas lui? Ah non, il est pas mort lui, attention quand même. Pff, on s'en fout, ouais, on s'en fout. Back to the pit. On se soigne. Allez, joue. Rien à foutre. Mmh, d'accord, un peu de stress. C'est pas grave, hein, ça va être éliminé ça. Au revoir. Their formation is broken. Disparaît. Contain the offensive. Ah. Ça revient tout de suite. A closer look, perhaps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Des cristaux scintillants? Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, prends-les! Dix d'un coup! Are often low on supplies. Intéressant. Les cristaux permettent d'acheter des objets. Je vous ferai voir après au village. Il y a un nouveau marchand. Il se passe des choses, hein. Oh! Tiens, tiens, tiens. Intéressant. On joue, on fait ce qu'on peut. Hein. Il est marrant, l'ancêtre. Ça me fascine. C'est intriguant. J'aime l'intrigue. Même si j'aime ça. Petit problème de traduction. Une fois de plus, hein. Un grand classique. T'as mal un petit peu, toi, si t'arrives. T'as mal été stressé. Voilà, ça va mieux comme ça. Le tambourin magique. Bon, qui c'est qu'on tue? Toi, tu vas jouer, hein. Moi, tu vas être pénible, toi. Meurs! Decimated. Tu ne joueras pas. Tu sers un petit peu à rien sur ce coup-là. Ouais, soigne un peu tout le monde. The wounds of war can be healed. Je me suis trompé. Ah, c'est pas pour tout le monde! Ah, mais d'accord! Mais c'est de la merde ce soin, oui, ça soigne un peu de stress, c'est vrai. Mince, ah, je me souvenais plus. En même temps, on s'en sert pas souvent de cette compétence. Pas de tambour. Oh ! Ah, le bougre ! Tiens, remangez un peu. Bon, alors, il est mort, lui, il est mort. Ça y est, le stress monte pas mal quand même. Quand même. Eradicated. J'aime bien l'ambiance. Il y a une bonne ambiance. Slowly. Ah, c'est bien. C'est bien Métrogène qui récupère avec le saignement. Je voulais voir. Ça marche. Oh là là. Ah d'accord. Il y a des vagues d'ennemis de tout type. D'accord. Ah ouais. Il se passe des choses, hein. La courante. Ah, t'as la courante et la peste rouge. Eh ben, mon pauvre. Ah, le vieux Gruigruik. Ah, il a bien couiné. Bonus dégâts contre les bêtes. Et c'est une bête, ça tombe bien. Vas-y. Fais-lui du mal. Grand manche cadavre. C'est étourdi, ça? Ouais. Bien sûr, regardez. Voilà. Confidence surges as the enemy. Oh, il est pas mort, 4 points de vie. Bon, des gobies, il faut faire attention quand même, hein. Soigne ton stress.
va s'occuper de lui. The accursed champion falls. J'aurais pu prendre le cri du chien. T'as quoi là? T'es en pleine forme toi. Hein, un petit peu de protection. Alors, stress moins 7. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Putain, ça explose. D'accord. Ah, on apprend des choses, on apprend des choses. C'est bien, c'est bien. Une dernière vague, a priori. Ah, c'est pas la même que la première mission, là. Hein. Non, non, non. Et puis, il y a un boss au bout. Alors, méfions-nous quand même. On va utiliser un petit peu nos objets quand même. Si, si, si. Je t'assure. Mais après, pas tout de suite. Parfait, ça. Bon, tu vas peut-être attaquer quand même. Ils craignent pas l'infection. Oh, 60%, ça passera, je pense. 130% de base. Ouais. Prends ça d'abord. Allez, mangez l'infection. Ouais, 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 ouais. Segment pour tout le monde. Parfait. Accusation. Oh, si, 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 t'es pas beau. Vous êtes moche. Ah, ils ont pas aimé. Ah, le combat de vomi. Pour l'instant, Dégobille a plus touché. Hein. Dégobille, le pro du dégobille. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais non, mais attaquez pas, ça sert à rien. Elle est intouchable. 35%. Enfin, 35% en esquive. Cherche pas. Bon, toi, t'es mort. Ouais, toi, derrière, t'es mort aussi. On est d'accord. Ouais, d'accord, d'accord, très bien. Bah, toi, t'es mort. Ouais, bah, tout le monde est mort, finalement. Non, j'ai calculé, mais ça sert à rien. Regardez, vous mourrez tous. Destroyed. Et on n'en parle plus. Esquive, plus 17. Non, chance d'infliger un saignement, plus 20% pendant un tour. D'accord. Sympa, sympa. Allez, on se soigne un peu. Ah, mais non, on n'est pas arrivé. Si, on va arriver quand ils vont mourir. Ouais, sûrement. Oh là, faut soigner derrière. Oh, le soin! Le soin de haute qualité. C'est bon ça. Oh, bah oui. Non, mais vous mourrez, cherchez pas. Voilà, c'est bien. Qui t'a touché, toi? Je me souviens pas. Rookmoot, elle a perdu des points de vie. Scandaleux. Récupère-les. C'est bien, Rookmoot. Soigne-toi un petit peu. Fais un câlin à ton chien. D'accord, donc la mission n'est pas finie. Enfin, la vague n'est pas finie, a priori. Je recrute. Ah, elle va nous téléporter encore. Resupply and recover. But be quick. Ok, donc a priori, le boss est au bout du chemin. Y'a de la bouffe ou pas? Les gobies, regarde. Manger. Provision alléchante. Ah, super. Ouais, d'accord. Non, d'accord. Hop. Est-ce que je veux l'utiliser, ça? Bon, on verra. Hein, si c'est critique. Sinon, je suppose qu'on peut le garder. Ouais. Ça peut être comme les fioles de sang. Ah, le moulin! Le moulin est en vue. Y'a que ça, là? Ouais, c'est pas terrible, ça, hein? Meurs le cheval! Ah, y'a pas eu de critique, dommage. Ça aurait été trop beau. On ne se transforme pas tout de suite. Non, toujours pas. Precision and power. Inspiration. Il y a plus de 20% pendant deux tours, très bien. Oh, le beau dada. Ah, il fait des trucs marrants. Oh, c'est esquivé, la petite riposte, parfait. Attends, mais personne n'a pris du segment là? Qu'est-ce qui s'est passé? Accusation, vous trichez! Aïe. Il triche tellement. Bon, bon, on n'est pas trop mal. Ça va bien se passer. Allez, segment pour tout le monde, j'ai dit.
Voilà. Bon, bah voilà. Ok, il lui reste 3 PV à lui. Bon, le tue, allez, on cherche pas. On va pas s'embêter. Ah, tu te soignes. Le miasme de la ferme, toujours pareil, moins 10, moins 10. Bon, on va la laisser à Rookmoot. Ouais. Ça dure combien de temps ça? 2 tours. D'accord. Et gagne esquive, tout à fait, tout à fait. On le savait déjà. The wounds of war can be healed. Meurs! Oh! Ça n'a pas soigné beaucoup par contre. Déception. Ouais, 5 PV. Pff. Ah bah ça marche pas. J'étais optimiste. On a moins de 10%, c'est vrai. Bon, eux c'est les tocards. C'est la bonne nouvelle. Ah, le tocard a résisté. Tiens, tiens. Et bah il mourra par le dégueulis. Ah, tu mourras. Ouais, parfait. Ouais, voilà. Fond dans les restes du repas de Dégobi. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'es mort. Ah, il est pas mort, il est pas mort. Ah, il résiste un peu, dis donc. Intéressant. Ah, d'accord. Il se bouche le nez, il se soigne. Ouais, ouais, ça, ça a du sens, ça a du sens. Les graines, c'est des bouts de cristaux, donc ça se trouve, soit bientôt il va y avoir des champs de maïs cristallins qui rendent fou. Alors moi je suis pas contre, mais ils vont pas en vendre beaucoup a priori. Hein. Bah, les gens mangeront peut-être au début, mais ils vont vite se rendre compte que c'est un truc qui va pas et puis ils vont arrêter. Et du coup, non, du coup ça va pas être rentable leur affaire là. On va voir, ils ont peut-être un plan. Bon, lui il est mort, toi t'es étourdi. Voilà, et puis tu vas mourir aussi, hein. Ah non, il va rester 2 points de vie avec le segment, mince. On va tuer le. C'est bien. C'est très bien. Un petit peu rien à foutre. Tiens, soigne mes mères. Ah direct, y'a pas de cristal. C'est le meunier, non c'est contre un médecin. A déjà vu lui. Petite riposte, recule. Tu es une ombre. Ouais. Dégueulage. Peut-être pas dégueulage, attends. Je me transforme pas tout de suite si. Remarquez, ça serait fait, hein. Ouais, allez. Ça sera fait, de toute façon, a priori, le boss va arriver dans la foulée, donc pourquoi s'embêter? Voilà, voilà. Ah, mais j'avais riposte. Mais tais-toi, t'es mort. On ne riposte pas dans la mort. Hein. 36 PV, hein. Ah, oh, le bougre. Masterfully. Bah voilà, t'en as un petit peu moins. Esquivez. Mince. Esquivez. Mince. Que se passe-t-il? On n'esquive pas. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vitesse et protection. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, moi je me soigne un petit peu quand même, parce que j'ai un peu mal. Voilà. Je me soignais beaucoup finalement. Ouais, j'ai changé d'avis. Vous êtes mort, vous êtes mort. Il n'est pas mort lui derrière. Ok, toi t'es mort. Ouais, tout le monde meurt. Allez, amenez-moi le boss là. Trop facile, ça va pas du tout. Où est le challenge? Il y en a pas pour l'instant, c'est moche. C'est quoi ça? Oh, tu nous téléportes encore? Oh, emmène-nous au boss. Battle behind, battle ahead. But for a moment, peace. La paix. La paix, la paix. Bon. Ok, on est tout neuf. On a un peu
peu de stress, mais ça c'est pas grave. C'est quoi cette merdasse? Vas-y, Rouillator, je te sens bien. Vas-y, forge-moi un truc. Gathered close. Ah, bah s'il y a du campement alors. An uneasy companionship. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis arrivé au bout de toute façon. Et... On fait baisser le stress de tout le monde. Donc avant le boss, on a le droit de se préparer. C'est une bonne nouvelle, ça. Stress, ouais, ok. Plus 25% de combat, les compagnons... Ah oui, d'ailleurs, la restriction, vous l'avez peut-être noté, entre les religieux, maintenant peuvent faire équipe avec une abomination. Voilà, ils sont devenus un peu plus tolérants avec ce DLC. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, je dois bien le dire. J'ai rien de bien là! Moins 10 de stress, on s'en fout un peu! C'est marrant quand un mec devient fou! Ah! Une maladie, ça c'est bien hein! Ah pardon, tu as 3 maladies toi! Mais t'es complètement moisi, dégobi hein! On va le démoisir un petit peu! Oh, il perd tout! Arrête! C'était pas une maladie? Débarrasse un compagnon, débarrasse d'une maladie! Bon bah, on m'a mis 3 d'un coup! Oh bah d'accord! Bon bah d'accord, bon tout le monde est en pleine forme. Bravo Rookmoot, bravo à toi. Attends mais j'ai aucun bonus de dégâts à part pour des gobies hein. Donc il file du stress à tout le monde. Et heureusement, tout le monde va perdre du stress. Voilà, groupe, moins 15 de stress. Tous les compagnons, moins 15% de stress pendant 4 combats. C'est de la bonne, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi t'as ça toi? Je fasse du trait un petit peu dans mes compétences de campement. Hein. Ouais, si. C'est pas la mort, mais bon, ça fait pas propre. Allez, go. Putain. Ces petits discours, moi, à chaque fois, ça me rend tout chose. Hein. Les mecs, c'est vraiment des... C'est des héros. Tu peux pas lutter, hein. Ouh, il est gros! Time of pious toil. An eternity of suffering. Il est gros et il est bien sympathique, le vieux là, le vieux meunier. C'est intéressant, ça. Je pense que je vais la garder, hein. Ouais, juste pour voir pour la science, voir si on les garde. Ou si c'est perdu, si c'est la revente, ou si on récupère les cristaux, tu vois, un truc tout ça, ouais, je parle bien, qu'ici, t'as un problème. Allez, meurs! Bon, il a beaucoup de PV, bon, il peut bien invoquer des merdes. Ah, il a 2 actions. Intéressant. T'es étourdissable? Ça se tente. Ouais, mais il a 2 actions. Ouais, mais ça se tente quand même. C'est intéressant. Ouais, tu vois. Alors, le maître appelle. Renfort. Ok, un seul paysan. On s'en fout. On s'en fout. Segment 220%. Ah, t'es pénible. Bah, tue le petit. Ah, bah, c'est bien la peine que je mette du segment si c'est pas faire ça derrière. Alors, ça va exploser, c'est ça? Sûrement. Hein. Il y a des chances. Hein. Retire-moi. Ouvrier agricole gelé. Ah d'accord, on peut pas le frapper. Ouais, tu paries, regarde. Mais alors? Alors, vieux meunier? Ah, si, je peux l'attaquer en plus. Bah non, il est protégé par sa merde, ouais, d'accord. Ouais, non, mais d'accord. Autant pour moi. Bon, écoute, on va tenter. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. 13. Ah mince. Ah, il a résisté au segment. Métamorphose immédiate. Bon, tu vas charger, hein. Je crois que t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Compétence de protection désactivée. Ah, on peut plus le protéger. Ah non, attends, c'est bien de quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai eu ça? J'avais ça avant ma transformation ou... Je crois que c'est apparu quand je me suis transformé, non? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. On va démonter, je verrai ça au montage. Ah bah non, ça venait peut-être bien du bloc de cristal là, ouais. Je sais pas.
Ou alors quand l'abomination se transforme, tout le monde est tellement choqué, ouais parce qu'ils sont pas habitués, que tout le monde perd les éventuelles protections. Je sais pas, c'est bizarre. Par contre, il y a un peu de monde là, vous allez vous détendre immédiatement. Quelqu'un est blessé, à part toi-même? Ouais. Non, bah écoute, t'es placé comme une merde là. C'est comme une merde, ça c'est à cause de Rukmut, faut qu'il recule. Rukmut, tu recules! C'est bien Rukmut. Tu écoutes! Ya! Oh! Ballon meunier! Allez, viens! Iguaza. Vieux cadavre. C'est un vieux cadavre en effet. Meurs! C'est tout? Putain, c'est ridicule! On n'est pas rendu, hein! Attends, tu vas. Ça fait rien, c'est ridicule. Tu fais pas de dégâts. Fais pas de dégâts, t'es un tocard. Je te le dis. Je t'accuse de tocaritude. C'est bon ça, hein. Critique du pourcent, une petite charge. Bon, ça, tu peux pas de façon. Tu peux en plus. Ouais, mais ça sert à rien. Bon, 25% de dégâts, c'est plus rigolo ça. Attention, regardez bien la critique. Ok. Y en a pas eu, mais ça a fait bien mal. Reprend du malheur. Oh. Bah elle est où ta vie mec? J'ai envie de l'empoisonner. Je peux. Vas-y. Oh l'infection! Pendant 6 tours. Ah bah dis donc. Oh là 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 là. Oh mon pauvre. Ah mais on te respecte pas là. C'est fini. Je crois que... C'est la fin pour toi. Hein. Que je fais? Bon, je le frappe. Voilà. C'est tellement bidon. Il mérite des accusations en boucle. Non, ça fait un peu mal. Hein. Sur le long terme, je dis pas, mais il n'y aura pas de long terme, tu vois. Eh non. Tu prends bien trop cher, tiens. Oh, reprendre l'affection. Et 6 points de dégâts tous les tours. 12 points. Il joue deux fois, il se prend 12 points. 32, 34, 28. Non, mais il est mort. Non, mais il est mort, là. Hein. Non, mais vraiment. Hein. C'est fini. Death waits. Ok, ça a un petit peu piqué. On va un peu soigner du coup. Oh le pauvre, il y croit encore. Hein. Il est mort dans 3 actions. C'est triste. Non, il sera mort avant de toute façon. Je le tue tout de suite. Non, on va d'abord, on va se débarrasser de ça. J'aime pas quand ça riposte. Oh merde. Oh, bien joué. Bon, et ben voilà. Bah ça s'est bien passé. On est au pied du moulin. L'expédition promet au moins de réussir. Bah non mais elle est finie mec. Il est gâteux lui. Je crois que... Oh oui. 40 éclats de comète collectés, 70 plus ce qu'on a ramassé. J'ai l'impression que la potion cristalline n'est pas là. Plutôt une bonne nouvelle. Ah parfait, ils sont tous niveau 4, ça c'est bien. Ils sont pas passés niveau 5. Nul. Tétanos. Il chope encore une maladie, bah décidément. Réflexe vif. Dernier espoir, critique plus 6%, 6 PV à moins de 50%. Ça me plaît, ça. Ouais, j'aime bien un truc comme ça. Parce que j'ai tendance à être désespéré, donc... Soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Imbéciles et cadavres, c'est beau. C'est tellement positif. Semaine 156, ah ça rebug. Ah, parce que c'était réparé. Et ça rebug. Avant que je lance la quête, la semaine était bonne. Et là, elle est pas bonne. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est la vie. C'est comme ça. Alors, il y a du monde, vraiment? Il est niveau 3, là, dis donc. Et... Oh là là, mais c'est bon, ça. Mais seulement, ma liste est pleine. Tu veux que je vire là-dedans? Bah non, il me faut du novice. Il me faut du... Bah non, hein. Faut respecter la chaîne alimentaire, hein. Il me faut des noobs pour faire les quêtes de noobs et puis qui montent après et tout. Ah non, on peut pas. C'est la vie, c'est comme ça.
Eh bah tant pis. Alors, je vous fais voir vite fait quand même. Alors là, de base, on a donc la vendeuse nomade, hein, communément appelée la vieille gitane. Bon, elle est pas si vieille que ça, mais bon... c'est une gitane, quoi, donc c'est quoi ça? Anneau du soignant, uniquement pour l'Amia. Ah d'accord, c'est pour ça que je connais pas. Ça va plus, je connais pas. Dégâts plus 15%, protection plus 10... Si, je connais, ça me dit quelque chose. Ouais, on s'en fout. Alors donc là, on a la vieille gitane, et là, on a... le vieux... Ça, c'est pas une femelle, ça. Hein. Ah non, il y a écrit vendeuse nomade, mais non, ça c'est un mec. Hein. C'est un mec qui semble un petit peu fasciné par les cristaux, et qui donc, en échange de cristaux, vous donne des objets faits avec des cristaux, justement. Voilà, alors je sais pas... Ah si, voilà, il y a quand même des objets qui ne sont pas... Qui sont généraux. Ouais, ils sont généraux. Bon, il y a des effets bizarres, hein, uniquement pour occultistes. Là, le crâne pétrifié. Protection plus 40% quand coquille attaque. Ah, coquille... qu'est-ce que c'est la coquille, hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les trucs là, qui flottaient, là, qu'on a vu, là, qui avaient de la protection, qui avaient des ripostes? Peut-être. Sinon, protection quand... Ouais, donc, c'est vraiment défensif, hein, sauf que soit reçu, moins 20%. Avec de la comète, ignore la furtivité, probabilité de vertu, moins 20%. Critique plus 5% si poussière d'éclat dans l'inventaire. Poussière, hein, pas éclat. Parce que moi j'ai des éclats. Ah, la poussière c'est encore autre chose. Abomination, prison plus 15. Infini d'étranglement plus 35%. Dégâts de stress plus 10. C'est toujours un petit malus, hein, parce que c'est Darkest Dungeon, c'est important quand même. Médecin plus 20 en esquive, plus 25 en infection. Soin reçu plus 20% si arme médicinale dans l'inventaire. Ah non, il a pas de malus lui. Oh, c'est bien ça. Ça coûte un peu plus cher, forcément. Et antiquaire. Ouais, cette classe existe, hein. Esquive plus 35, si poussière d'éclat d'inventaire, précision moins 15, sans infection moins 15. Et bah lui, il a de la merde, et pourtant ça coûte 45 aussi. Ouais, faut pas chercher. Bon, voilà, hein, je vous ferai voir ce que j'utilise éventuellement. Je vais pas tout vous faire voir, hein. Ouais, il y en a quand même pas mal, donc voilà. Petit ajout sympathique, ma foi. Allez, je vous quitte là-dessus, hein, sur cette quête facile, hein. Non, pas trop de suspense. Ouais, je suis un petit peu déçu. Je me suis dit, ouais, j'ai encore pas de soigneur, donc il peut y avoir un risque quand même. Elle a été assez longue. Mais bah, le talent est là, hein, donc quand le talent est là, bah, il n'y a pas de mort. Hein. Non, toujours pas. Pas vu que ça dure. Mais ça durera. Non, j'en ai assez d'avoir des morts. Je ne veux plus. J'ai envie que ce soit le DLC de la joie. Hein. Un DLC coloré, vu son nom. Et de la joie, hein, la vie. Pas la mort. C'est bien aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle expédition. Une expédition, quoi. On va regarder vite fait. Est-ce que ça va être vétéran, du coup? Ténébreux! Ouh, tu es autant d'ennemis que possible. Ah, comment c'est la récolte? Tu es autant d'ennemis que possible. C'est-à-dire qu'on doit aller au maximum de nos capacités et se barrer quand on n'en peut plus, c'est ça? Ça promet, ça, parce que moi, j'aime pas m'enfuir. Bon, on verra ça la prochaine fois. Allez! Salut.